Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien. Vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Lost Words Beyond the Page Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Hello, journal. Bonjour journal. Aujourd'hui à l'école, Sarah m'a dit. Mon papier aussi a fait une attaque. Sa bouche est partie de travers. Il s'est mis à parler bizarrement. Va aussi arriver à mamie. Maintenant, il ne fait pratiquement que regarder la télé. Je ne crois pas que Amy apprécierait. On lui a dit qu'il n'y avait rien à faire. Elle avait l'impression de baisser les bras. Elle préférait s'activer, faire des choses. Amy dit toujours, donne aux autres, donne au monde. Ta bonté et te rendra centuple. Give the world your kindness and it will return it threefold. Plus on dépense d'énergie positive et de bonté au monde, the more you get back. Voilà pourquoi elle aide toujours les gens. Une sorte d'héroïne en soi. La pelouse de M. Perry étant trop haute. Mamie l'a tendue pour lui. Pour le centre communautaire, elle faisait des gâteaux. Des tas de gâteaux. Et des tas faisait même l'impensable. Elle a changé les couches puant de Ben. Un peu de bonté serait le bienvenu. Quelqu'un devrait se proposer. Moi. Commencez par apporter la paix dans le monde, cuisiner pour les vieilles personnes, vous ne pouvez pas les empoisonner, prendre la pelouse de M. Perry, je doute qu'il me laisserait utiliser la tondeuse. C'est ça. Ranger ce chaos. Un grand combat doit avoir un bon slogan. C'est l'heure de ranger. Et après, j'ai fait la vaisselle, du petit déjeuner. Encore me le demande. Papa a dit. It's a miracle. C'est un miracle. Then he bowed at my feet. He's such a... Il s'est agenouillé devant moi. Quel gros bêta. Mais il a fait rire, maman. And when we
Et après, quand on était à l'hôpital, mamie était assise sur une chaise. Elle regardait par la fenêtre. Elle souriait. Alors, tout ce que j'ai fait a marché. Faut que j'en fasse plus. Baby Cook, histoire de maman. Faiseuse de miracles. Il y avait du chou kale pour le thé. C'était une sorte d'abominable légume. Oups. Je me suis dit, et si je pouvais tout manger, sans peine, alors mamie se sentirait encore mieux demain. Jusqu'à la dernière. Molle. Fini, sans me plaindre. Je pète le feu aujourd'hui. J'ai monté les escaliers par deux. Deux par deux pour couronner le tout. Pinky était très impressionné et a dormi à mes pieds toute la nuit. Une boule de chaleur et de reconnaissance bien méritée. Merci Pinky. Oh, bonjour journal. Je n'ai pas réussi à dormir. Je devais me sentir bête. Je veux dire, qui se soucie de Shukir? Ben papa? Peut-être? Mais qu'est-ce que tout ça fait, fait vraiment une différence? C'est juste qu'il y a la moindre chance que ce soit le cas. Je veux y croire. Sarah m'a dit que quand sa papy était malade, elle avait l'habitude de prier. Elle allait mieux selon elle. Je sais pas trop comment ça marche. Il vaut mieux vous courir à mes arrières. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il te plaît. Encore. Toujours. Qu'est-ce que mamie? Peut-être que mamie se sent mieux. La famille de Sarah est assez pieuse. Pas comme maman et papa. Je ne sais pas grand-chose sur la religion. J'aime les histoires. Dans celle de l'arche et du sauvetage de tous les animaux. Ma mère a reçu une éducation catholique. Mais je n'ai jamais vraiment entendu parler de Dieu, hormis la fois où elle a renversé des yaourts chez Tesco.
Mamie m'a aussi couvert les oreilles. On s'est chargé de tout, nettoyer. Avant que personne ne remarque. Gran even offered to pay for them. Mais elle m'a même proposé de les payer. Je lui ai demandé une fois. Elle a dit que si Dieu existe, on le voit dans nos actes. Dans la façon dont nous aidons et nous aimons les uns les autres. Elle a dit si Dieu existe, je lui ai demandé une fois. Ça semble juste. Alors que dois-je faire? Ça me semble juste. J'apporterai mon histoire la prochaine fois et j'irai à l'hôpital. Comme ça, je pourrais lui lire. Je pense qu'elle aimerait. Peut-être, si je travaille bien, elle sortira à temps pour l'anniversaire de Ben. Mais d'abord, il faut que je continue l'histoire. Après avoir fui les grottes de flammes, Mott et Grace s'aventurèrent dans une forêt ténébreuse. Le dictionnaire. Le personnage de Mott va être vraiment amusant. Mais si elle n'est plus en colère, elle va vouloir lui trouver un autre défaut de caractère. Une addiction en haut. Melon. Ou frisé. Plus pur. Eh oui. Les doux rayons du soleil virent caresser leur image au feu du ciel chaud. Comme Mott. Voilà le dragon. Il faut le suivre. Dragon? On doit le suivre. Allons-y, Mott. Mott, pas aimé suivre tout qui fait roar. Viens. Les trucs de griffes, ils font peur. Je ne sens que des arbres, Mott. À la maison, il n'y a pas à y en avoir. La forêt grise. Noire. Inquiétante. Grace s'en fichait. Elle te manque? Oui, c'est pour ça que je le fais. Mais tu pars. Allez, Mott, viens-t'en. Il le fallait, le dragon a volé nos lucioles, j'ai promis de les ramener. C'est quoi? Comme ours de caverne.
Sérieux. Grosse pierre. Pour aider moi. Moi petite. Moi d'inutile. Oups. Attends que tu sois là, moi. Elle c'est petite. Et je ne puis s'empêcher de sourire. Son ami est enflammé, prenez une place. Soudain, une étrange odeur acide amplifiait l'air. Mode, connais cette odeur? Qu'est-ce que c'est, Mode? On dirait une sorte de fruit. Mode adore les frites. Ouf, ça me fait pleurer. J'aime vraiment ça, Mode. Quelle étrange créature tu fais. Il faut qu'on y aille maintenant. Tout de suite. Le fruit. Les ombres s'étendaient dans la forêt ravagée. Arbres renversés. Branches éclatées. Ça me rapproche. Manque de griffes de dragon. On doit vraiment se rapprocher. Regarde-moi, du feu de dragon, il est là. Mais c'est bon, Mode va bien. Mode, fais confiance à Grace. Nous chasser dragon. Bien dit, Mode. On est tout prêt, je le sens. T'as volé comme Mode, si? Ou même? Un immense fossé s'ouvrit devant elle. Alors? On est si proche. Ce n'était pas censé arriver.
apparence faussée sur vos devants, mais les fruits avaient un attrait irrésistible pour moi. Non, moi, t'es ici, j'avais besoin de toi. Moi, t'es encore ici, juste occupé. J'ai senti fendre sa détermination. Faut que je trouve le dragon. Juré à la vénérable Anne Ava. Qu'est-ce que je fais ici toute seule? Human bed, mode, pas parti dans Frid. Dans les fruits. Merci, Mott. Grace savait qu'elle échangerait cette petite boule de feu pour rien au monde. Un peu de vertige, mais bien. Effrayeur. La tête tourne. Ça ne faisait pas de doute. Quelque chose de fort. Et de très, très gros. Il était venu ici récemment. Et voilà. Dragon vole. Père, on a vu. Nous partons maintenant. Lui part, vous nous part aussi. Grace poursuivit la bête sans se soucier de sa propre sécurité. Il ne m'échappera pas à nouveau. Je te l'interdis. Non, reviens. Reviens ici tout de suite. Oh, c'est bon. Il t'a attendu. Hein? Loin au-dessus du dragon décrivit quelque chose, quelque sorte qui plongea un piqué rapidement. Cours! Oh mon dieu! À mesure que les eaux se calmaient, Grace réalisa que le dragon avait disparu loin, très loin, très très loin. Non. Son espoir vole en éclats. Je ne peux pas. C'est bon, Human. On retrouvera Dragon. On retentera le coup, d'accord? C'est bon, moi, t'aider. Mais comment? La plupart des morceaux ont disparu. Je ne peux même pas le réparer. Regarde. On va y arriver, hein? Je ne sais même plus où je vais.
Qu'est-ce que je fais? Je suis vraiment stupide. Qu'est-ce que je m'imaginais en faire une fois avec? Et tu as essayé, Human, c'est important. Regarde. L'un de ces trucs luisants que tu aimes. Un truc. Toi aussi tu aimes ces choses, pas vrai? C'est étrange. Peut-être qu'il y a des gens dans les environs finalement. Regarde un truc. Tout cassé, oublie. Beaucoup triste, peut-être dragon. Maladroit, maladroit. Pas froid, Human? Un peu, oui. Va te faire boule de feu. Toi, apporte bois, oui. D'accord, je vais faire ça. Quoi, Human? C'est juste que je me rappelle la fois où je suis allé chercher du bois pour le vénérable Ava. J'espère qu'elle se porte bien. Ça sent comme les arbres à la maison, mais ça aussi. Bon, hein, Woman? Tu ne te souviens de rien? Moi, juste le souvenir en colère. Et toi, Woman? Bien, ça devrait suffire. D'accord, Maud, vas-y. Ancienne énergie s'éveillère. Accédant là au-delà. Ah, ça fait du bien d'être de retour. Déjà, ça ne fait que quelques millénaires. N'est-ce pas merveilleux de voir la lumière à nouveau, de sentir le soleil? J'ai commencé à me faire sentir à l'aise dans le vide hurlant. Vous êtes qui, vous deux? Ancien, je croyais mythe. Non, non, mon petit ami, nous sommes tous ce qu'il y a de plus réel. Nous ne sommes pas, tu nous imagines, va-t'en maintenant. Maintenant qu'on est là, que peut-on faire pour vous? Mott, il pourrait nous aider à trouver le dragon. Mais rien n'est gratuit sur le marché, ni dans la vie. Vous devez fournir 3 offrandes à la flamme. Que fait-on? Aider des humans, si humans qu'entendent, Mott partante. Partez. Bonjour, quel plaisir de vous voir tous les deux. Alors, quel est cet endroit? Le marché des perdus et des oubliés. Des choses jetées ou devenues inutiles atterrissant ici.
Au bout de quelques temps, ça nous est arrivé, à nous aussi. Personne n'est venu, personne ne nous a cherchés. Je pensais que nous nous oublierions. Mais nous vous avez ramené. Vous avez dit pouvoir aider. Oui, mais pour donner, il faut aussi recevoir. Je n'ai pas d'argent. Alors faites acte de bonté. Vous avez de l'air splendide aujourd'hui. Comment c'est gentil de votre part. Je vais donc vous rendre l'appareil. Pour exaucer votre vœu, vous devez soumettre une offrande d'espoir aux flammes. Quelque chose qui vous est cher. La véritable va me donner ça. Le pendentif fluisif gorgé de souvenirs d'espoir. Je ne sais pas si je devrais, c'est la dernière chose qu'elle m'a donnée. Une sage personne m'a dit un jour que personne n'obtenait rien par la seule volonté. Oui, vous avez raison. Et grisement, et étincelle plus tard, le pendentif avait disparu dans les flammes. Je vous ai dit de partir. J'ai besoin d'aide. Et que voulez-vous que j'y fasse? Partez! C'est un marché, pas vrai? Vous devez m'aider si je vous donne quelque chose. Écoutez, mon aide n'est pas celle que vous attendez. Ah bon, pourquoi? Je fais... commence de l'oubli. Je me repais de souvenirs. Ah, mais vous pouvez quand même m'aider. Je dois trouver les lucioles sacrées et les rapporter à mon village. Ne viens pas te plaindre quand tu ne retrouveras avec un gros trou noir dans la tête. Quel souvenir, es-tu prêt à sacrifier aux flammes? Je me rappelle que la vénérable Ava m'a donné le livre des mots. Je me rappelle la dernière étreinte de la vénérable Ava. Je me rappelle avoir joué sur les toits, sous la voûte. Quel souvenir. Je me rappelle d'avoir joué sur les toits, sous la voûte. Mais non. Non, quoi? Je me souviens. Ben, peu importe. Ça pourrait durer éternellement, l'offrande a été faite. Bon, ben, merci alors. Déjà deux offrandes. Plus qu'une, il m'aidera à suivre les dragons sous le lac. Pas maintenant. Je ne sais pas, crois-tu qu'ils acceptent un dernier souvenir? Les dernières offrandes doivent entretenir nos flammes. Un geste d'espoir, d'amitié. Mais ce n'est pas à toi de le donner. Nous t'avons déjà donné quelque chose, alors on s'en va. Emot, tu as quelque chose à donner? Bien sûr. J'ai Mott. Tu le donneras toi-même pour aider ton ami? Sûr. Mott, tu n'es pas obligé de faire ça. Il y a forcément un autre moyen. C'est important pour Roumen. Tu dois délivrer Mott. Tu dois donner souvenir à Mott. Mott veut aussi donner quelque chose. Tu es sûr de ton choix? Je ne sais pas quoi dire, merci. Je n'ai pas envie de faire ça, moi.
Je ne sais pas quoi te dire, merci Mott. Ouais, merci toi aussi, merci, merci, merci. Tu vas me manquer, petite Mott. J'imagine que c'était un au revoir. Au revoir pour nous, bonjour pour toi et Dragon. Lorsque la petite Mott sauta dans le feu, les flammes commencèrent à gagner en volume et en intensité. J'ai senti un changement l'envahir. Les fentes s'ouvrirent dans son cou. Les branchies, elle pouvait maintenant respirer sous l'eau. Le souhait est exaucé. Il est temps pour vous de partir. J'espère que tu apprécies ton cadeau. Merci, Mott. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Je devrais me rendre au lac. Vive le dragon! Imagine. La perte de Mott la chagrinait profondément. La lumière avait laissé place à l'obscurité du bruit. Il ne restait plus qu'un silence froid. Elle ne pouvait laisser Mott se sacrifier en vain. Elle devait se rendre au lac et utiliser ses nouveaux pouvoirs pour traquer le dragon. Le lac semblait trouble, mais elle devait en baver les profondeurs. Non, c'est tout pour l'aventure du jeu. Last Words. Beyond the Page. Live sur la chaîne du Caribou. Canadien. Oh yeah.